Mesdames, messieurs, j'ai une fort mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous n'avons pas assez de lits pour tout le monde. Et là, nous sommes de retour dans le réel. Ah, nous serions encore dans l'imaginaire, à la rigueur, nous pourrions tous coucher dans le même lit, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, il va falloir que nous nous séparions. Je vous demanderai de reprendre vos esprits, afin qu'on ne vous retrouve pas rue de la Gaîté comme on retrouve la plupart des spectateurs qui sortent d'ici. D'où sortez-vous? De chez De Vos? Vous pouvez rentrer chez vous, mesdames. Maintenant, si vous n'avez pas de moyens de locomotion, je peux vous en indiquer. Il faut faire un peu de mime. Il faut le mimer, évidemment. C'est facile. Moi, lorsque j'ai entrepris de faire du mime, j'ai commencé par mimer la marche sur place. Et très vite, j'ai compris que ça ne me menait pas loin. Pour ainsi dire, nulle part. En fait, je piétinais. Alors, je me suis adjoint une monture et j'ai mimé le cavalier sur sa monture. Ce que je vous propose de faire. Dans la rue, ils ne font pas attention, ils sont habitués. Alors, à partir de la ceinture, le haut, c'est l'homme, une moitié d'homme. Oui. Et sous la ceinture, c'est le cheval. Entier. Enfin, coupé ici, mais bon. Alors, à partir de la ceinture, le haut, c'est l'intelligence, l'esprit qui domine, et sous la ceinture, c'est la bête. Le tout est de bien attacher sa ceinture. Ah ben parce que vous avez des spectateurs, la ceinture, ils s'attachent autour du cou comme un licou. Alors ça leur fait deux grandes jambes sur une toute petite tête. Alors ils courent vite, mais ils pensent pas beaucoup. Oh, ne faites pas comme le spectateur, il y a 8 jours, un spectateur. Il y a 8 jours, un spectateur. La bête lui était montée à la tête. Il se prenait pour un cheval. Un cheval mime. Mais un cheval, alors il mimait la monture sous son cavalier. Et bien, c'est-à-dire qu'à partir de la ceinture, tout ce qui était en dessous, c'était l'intelligence. L'esprit qui domine. Et tout ce qui était au-dessus, c'était la bête. La bête humaine, mais la bête. Non, il faut penser comme un homme et marcher comme une bête. Voilà. Et quand la bête est matée, on en fait ce qu'on en veut. Voilà. Voilà une bête qui est bien montée. Restons au-dessus de la ceinture, voulez-vous, mesdames? Voilà comment je voudrais vous voir tout à l'heure rue de la Gaîté, mesdames, messieurs. Dernière recommandation, ne faites pas comme les spectateurs hier soir dans le hall, un spectateur, pour épater la galerie. Tenez-vous bien, il a voulu se mettre debout sur sa monture. L'impossible exploit! Alors le haut a chuvahu, le bas a dia, double chute, double fracture, les deux mimes brancardiers se sont précipités à son secours, et comme ils mimaient la marche en place, ils sont jamais arrivés. Jamais. Heureusement que dans la salle, le médecin de service était aussi vétérinaire. Il a réduit les deux fractures pour ne plus faire qu'une seule facture que j'ai reçue. Bref, le haut étant remis sur pied et le bas sur patte, le spectateur est rentré chez lui en cavalier manchot sur cheval unijambiste.